bonjour. Les choristes qui ne peuvent pas venir à la chorale à cause de Corona. On est tous coincés chez nous. Donc, on va faire la chorale ici, chez moi, dans le salon. Alors, l'ordinateur ne capte pas super bien. Des fois, ça casse. La qualité de son n'est pas géniale, mais on va faire quand même. Alors, on commence, comme on le fait toujours, c'est-à-dire avec les échauffements vocaux. Allez, on respire bien fort. Et on souffle. Là, on trouve la bonne position pour chanter. On est bien droit. On a les têtes bien sur les épaules. On a le ventre bien serré. Oh. Et on est prêt à chanter. Bon, allez, on commence avec les échauffements vocaux que l'on fait d'habitude. Donc, on essaie de faire toutes les vocales, voyelles que nous pouvons faire. Alors, le deuxième, qu'est-ce qu'on fait? On va faire ha 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 ha. Alors, ha 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 ha, souvenez-vous que c'est notre cher diaphragme qui doit bosser. Donc, ha 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 ha. Voilà, c'est pas ha ha ha. C'est pas attention à la tête parce que la tête ne peut pas être là. La tête ne peut pas être là. Il faut que ce soit bien sur les épaules et c'est le ventre là qui travaille. Et avec une seule respiration, on va pas non plus faire oh oh oh, oh, oh parce que sinon on va tomber dans les pommes et c'est pas la peine d'ajouter au boulot des pompiers. Allez. Ha. Allez, troisième exercice. Signore. 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 Signore, Signore,
pense qu'il vaut mieux que je ferme mes fenêtres. Salut Rico. Ok. Il n'y a pas de problème. C'était l'épicier qui passait avec son chariot. Il amenait de la bouffe aux villageois. Voilà. Allez, on va faire encore le dernier. Donc, signore. Non, on vient de faire signore. Qu'est-ce qu'on a déjà fait? On a fait ha ha ha, on a ho ho ho, on a fait signore, on a fait tout. Hein? Donc là, on peut commencer à chanter un petit morceau. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut faire, par exemple, Dona nobis pacem. Dona nobis pacem. On va faire ça parce que c'est quand même un morceau qui est bien joli, qui est bien classique. Et il n'y a pas beaucoup de paroles à apprendre. Dona nobis pacem. En latin, donne-nous la paix. On en a besoin de la paix en ce moment. Bon. Il y a trois voix, soprano, alto et basse. Je vais faire à chaque fois, quelques fois, après comme ça, vous pouvez choisir celui qui va le mieux avec votre instrument. Et à la fin, je vais chanter ça quelques fois, comme ça, vous pouvez me rejoindre, chanter avec moi ou chanter un de vos voix par-dessus, ça fera joli. Allez, on fait la voix des sopranes ou le premier voix quelquefois. Dona nobis pacem, pacem. Dona nobis pacem. Encore une fois. Alors, si on fait le tout, ça donne ça. Dona nobis pacem, pacem. Dona nobis pacem. Dona nobis pacem. Comme ça, on fait le premier voix deux fois, le deuxième voix deux fois, le troisième fois, voix deux fois. Je sais pas, j'ai bien compté. C'est pas évident tout ça. Allez, c'est parti et chantez avec moi. Choisissez votre voix, vous faites le tout. Allez,
C'est parti. D'avoir chanté avec moi, et bientôt je vais vous faire une deuxième petite tuto chorale, et là on va choisir un autre morceau, je ne sais pas quelle langue, je ne sais pas quel style, je ne sais pas du tout, j'en sais rien, on verra ça bientôt. Allez, bisous tout le monde, courage, restez bien chez vous, restez sains et saufs, bisous, moi, ciao.